16 juin au 18 juin 2023, les 11 nations seront en plein cœur de la ville de Québec pour débuter la saison estivale dans la capitale. Koué, c'est une fête de famille. Les enfants, c'est notre avenir. Et à Koué, on a l'occasion d'ouvrir grand nos bras, grand nos cœurs pour rejoindre nos frères et nos sœurs du Québec et d'ailleurs qui veulent en savoir plus sur nous et qui désirent passer à l'action. Afin d'en apprendre plus sur les 11 nations, 5 espaces seront à surveiller selon la directrice générale de l'événement Koué, Mélanie Vincent. La famille étant au cœur de notre public cible, on invite tout le monde. C'est gratuit aussi en passant, donc je pense qu'il y a une belle occasion d'une sortie en famille du 16 au 18 juin, puis évidemment le spectacle du 21 juin. Les visiteurs pourront déguster des mets traditionnels, écouter des conférenciers, voir des démonstrations de danse de powwow et plus encore. Des spectacles musicaux d'artistes autochtones seront présentés au Grand Théâtre de Québec. Le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones, on offre un grand spectacle à Place Diouville. Regardez si loin, je n'ai rien compris. Une chanson thème de Serge Fiori a été choisie pour être traduite dans les 11 langues autochtones au Québec, afin de les mettre en valeur. Le titre est « Un musicien parmi tant d'autres ». Quatre paroles que j'ai écrites à 17 ans que j'aurais jamais pensé d'avoir le bonheur. C'est comme si je l'avais écrit pour cette cause. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Le grand chef de la nation, Huron Wendat, était présent à la conférence de presse du dévoilement de la programmation de Koué. Il est très satisfait de la façon dont la programmation s'est élargie au fil des années. On a une programmation qui s'en vient de plus en plus vaste. Et on va travailler avec le Grand Théâtre, il y a plusieurs spectacles au Carré du Hauville, sur le site à Exposité. Donc, ça prend de l'ampleur. C'est extrêmement intéressant, puis c'est rafraîchissant de voir une aussi belle programmation. Vous pouvez retrouver toute la programmation de Koué à la rencontre des peuples autochtones 2023 au www.kouéfest.com.